Entre le théâtre, la chanson, le cinéma et la danse, depuis toujours son cœur balance, on a retrouvé Sylvie Vartan à Grévin le Magnifique, du Palais des Mirages au théâtre romantique, que l'on croirait construit grâce aux trois coups, baguette magique. En Bulgarie, ma mère m'emmenait très souvent au théâtre, il y avait des pièces qui étaient montées pour les enfants, mais qui étaient montées d'une manière somptueuse. Et j'étais absolument fascinée par toutes ces mises en scène où les gens chantaient, avaient des costumes magnifiques, les lumières bleues, des projecteurs. C'était un monde de rêve et de fascination. Et depuis donc ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé et j'ai toujours dit que je serais artiste un jour. L'élégante silhouette de cette fragile au visage dont le profil respire la vie sous toutes ses fossettes dit que la belle aurait pu être comédienne, tant la petite Vartan avait le goût de la récitation qu'elle déclamait souvent devant la glace et sans hésitation. Je ne pensais pas être une chanteuse au sens propre du mot, puisque je n'avais envie plutôt que de faire de la comédie et du cinéma. Donc j'ai toujours donné à mes shows un côté théâtral peut-être. Le superbe regard noir en amant dit la gourmande de nature qui aime se nourrir de littérature, de Stéphane Zweig à Proust, d'où ses beaux yeux qui doivent parfois pleurer comme des madeleines, pour peu qu'ils se souviennent. Quoi qu'il en soit, l'œil nomade de cette belle orgueilleuse au sourire franc révèle une têtue sincère, sensible et romantique qui nourrit depuis longtemps une passion cinématographique. Le cinéma des années 40, des années 50, américain, était fascinant. C'était fascinant, c'était soigné, c'était par exemple Hitchcock et toutes ses héroïnes. J'aurais adoré faire une héroïne d'Hitchcock. Peut-être parce que son père était entre autres artiste peintre, Sylvie voit la vie en couleur et son chemin comme le somptueux rideau de Monsieur Jules Chéret semble parsemé de bleu ciel, de jaune pâle et du vert rouge et blanc bulgare comme des collages de douleurs et de bonheurs qui font de ce paysage émouvant un personnage rare. À vos amours, bonjour, bonsoir. Merci à tous d'être là pour accueillir une grande chanteuse. Elle dit avoir été la plus gâtée des chanteuses de son époque. Elle déclarait aussi être une fleur bleue sentimentale, très Alice au pays des merveilles. Et ceux qui sont comme moi, dit-elle, c'est-à-dire les sentimentaux, sont plus malheureux que les autres. Mais qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? On le saura tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on est sentimental, on aime peut-être mieux et plus que les autres, alors on rafle un peu plus. Eh bien, on va recevoir celle qui, finalement, comme Tintin, plaît de 7 à 77 ans. C'est Sylvie Vartan. Bonjour. Ça va, Sylvie? Ça va très bien. J'aime bien votre bonne humeur. Je vous trouve gaie. Mais c'est vrai, ça, je suis toujours gay, comme ça. Je peux être très gay, puis parfois je suis triste aussi. Oui, c'est ce que je disais pour rigoler, parce que j'avais lu comme quoi vous marquiez, finalement, je suis une grande sentimentale. Et quand on est trop sentimentale, on paye un peu aussi, souvent. Ah oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu le côté slave aussi. On peut être très gay, et puis aussi tout d'un coup profondément triste, et puis ça passe très vite au fond. Sylvie Vartan, forte de votre expérience amoureuse, dites-nous quel a été votre atout majeur pour faire chavirer le cœur des hommes. La tête de Sylvie. Mon atout majeur? Je ne sais pas, peut-être un côté un peu réservé. Je ne sais pas, il y a certains hommes qui aiment ça. Ouais. Alors, je ne me suis pas vraiment posé la question, à vrai dire. Non, je suis timide en amour. C'est-à-dire, c'est pas vous non, qui êtes dans, le premier, dans pas. Les rapports, disons, non, je ne suis pas. Je suis timide de nature, mais surtout avec des gens que je ne connais pas ou dans des situations où je connais peu de monde. Je n'aime pas trop aller au-devant des gens. C'est-à-dire que je préfère que les gens viennent à moi. Donc le côté réservé qui plaît aux hommes, c'est l'anti-tigresse, quoi. À certains hommes. Au vôtre, en tout cas. Au mien, en tous les cas, oui. C'est ce qui est le plus important. Reste qu'un être celui-là, être taquin, même de bonne foi, suivre sa loi. En fait, Sylvie, j'ai lu que vous disiez qu'en fait, on a un premier amour, un grand amour, et que les autres sont vraiment différents, mais qu'on ne peut plus l'appeler le grand amour. Je crois qu'en fait, oui, on a un premier amour, ça c'est certain. Oui, mais un grand amour. Oui, on a un grand amour. Et alors? Non, comme ça? Vous pensez qu'on ne peut pas avoir plusieurs grands amours? Moi, je pense... non, on a un homme dans sa vie qui compte peut-être plus que les autres à un moment donné. Mais je pense qu'on peut avoir plusieurs grands amours. Ah, bah alors, voilà, bah c'est oui, ça que oui, je voulais me faire dire. Vous vouliez me dire. Bah oui, absolument. Parce que oui. Moi, j'avais lu, on en a, le grand amour n'arrive qu'une fois, après c'est différent.
Alors non. Non, non. Hein? Non, non. Vous avez révisé votre jugement. Oui, oui, j'ai révisé. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Ou... Ah, mais ça devait être avant, il y a longtemps. Non, non. Au moment où vous n'y croyez plus. Oui. Peut-être. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça dépend des moments. Vous avez dit, en fait, vous avez aussi révisé votre jugement. Au départ, vous pensiez que pour aimer, il fallait se compléter. Être chacun différent, puis comme un puzzle, ça s'imbrique. Et puis maintenant, vous dites plutôt le contraire, faut se ressembler. Ça, pourquoi? Je pense de plus en plus qu'il faut se ressembler, parce que au fond, je pense quand on a 20 ans, peut-être on est attiré par des contraires, parce qu'on découvre les choses. Et puis au fond, petit à petit, quand on fait la connaissance de soi aussi, plus profondément, je crois que on tend à aller vers les gens qui vous ressemblent ou qui comprennent les choses de la même façon, tout du moins. Mmh. Pas forcément, je ne dis pas que ça doit être exactement la même chose, parce que ça serait ennuyeux. Mais disons que la façon de voir les choses, la façon de voir la vie, la façon d'être, pour c'est que très ce important pareil. D'avoir... oui, absolument. Pas parce que sinon, divers, c'est des luttes sans fin pour des bêtises, et ça fait perdre du temps, et on ne passe pas à l'essentiel, en fait. Mmh. Mon amour, dans tout ce que j'ai lu sur vous, je vous trouve spécialement tolérante et spécialement bonne pour l'autre. Oui, ça c'est vrai. Ça me surprend toujours, parce qu'en fait j'ai beaucoup de patience en amour, mmh. alors qu'en amitié pas du tout. Mmh. L'amitié, je la vois très pure et dure. Mmh. Je pense qu'on peut pardonner à l'amour certaines choses. On peut tout me dire, on peut tout me faire, du moment qu'on m'explique et que ce ne soit pas traître par derrière. Vous n'aimez pas la trahison. Non, j'aime pas la trahison. Mais si on vous explique, quelqu'un de... oh tu sais Sylvie, je suis partie avec un tel, mais je reviens, ça vous pardonnez? Il ne faut pas le dire, enfin, ça dépend des circonstances. Mais je crois qu'on peut pardonner certaines faiblesses à l'amour. Quand il y a vraiment un amour fort et solide, profond, une entente, une complicité, un respect mutuel, puis il y a des façons de faire les choses aussi, je crois. Ça dépend. Enfin, non, mais en général, je dirais que je suis plus tolérante, c'est vrai, en amour qu'en amitié. Mais de toutes les manières, je pense que... être intègre, être droit et être fidèle, c'est quand même très important. Savoir pleurer pour pouvoir consoler, savoir vouloir et décider de rester, un contre tout si l'on croit, c'est juste que ce soit. Sans appel ou cela se discute à l'infini? Bon, ça peut se discuter à l'infini. Non, non, je pense que ça se discute à l'infini. Tout dépend des circonstances et bon, des cas. Et il faut toujours être deux. Ça se passe toujours à deux, ces choses-là. Les ruptures comme les rencontres, comme l'amour. Bon, il faut être deux pour s'entendre, deux pour se fâcher, deux pour... pour avoir de bons rapports. On ne peut pas faire tout ça tout seul, sinon on se casse le nez.
Donc vous n'êtes pas une femme à claquer la porte et à partir du jour au lendemain. Si, mais après je reviens, puis il faut quand même s'expliquer. Ah ouais. On ne peut pas quand même ça. Surtout quand on a passé du temps avec quelqu'un, on ne peut pas tout d'un coup. C'est être très lunatique de faire ça. Non, je pense qu'il y a des choses plus importantes et c'est vrai que. On n'arrive pas comme ça à claquer la porte. De toute façon, on n'arrive pas à désaimer les gens qu'on a aimés une fois très fort. Quand on aime, on aime pour toujours. Je crois que c'est une chanson qui tourne en ce moment. Oui. Je crois. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que quand on a aimé les gens très fort, on ne peut plus les désaimer. Il faut qu'ils soient grand seigneur, bon vivant. Bon vivant, oui, au grand seigneur aussi, oui. Il faut la générosité, absolument. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non. Je pense que la générosité se ressent dans tout, dans la façon d'être, dans la façon de se comporter, et puis de partager les choses. Il faut être généreux, mais pas simplement avec ses amis ou pour faire bien. Il faut être généreux avec les gens qu'on aime, sans que les autres le sachent. Il faut être généreux avec soi-même, d'abord. Qu'est-ce qu'il pourrait vous reprocher? Pardon? Qu'est-ce qu'il pourrait vous reprocher? Qu'il au pluriel? Un côté impatient, un côté un peu trop fou, quelqu'un qui paraît intolérant comme ça, exigeant peut-être aussi. Mm-hmm. Notre exigence. Oui. Enfin, je suis exigeante avec moi-même aussi. Mais je m'accommode, je deviens beaucoup plus tolérante. Savoir pleurer pour pouvoir consoler, savoir vouloir et décider de rester, un contre tout si l'on croit que c'est juste, que ce soit par action ou bien par omission, lorsque tu sors. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer en amour à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui? Oui, plus rien. Rien, je suis comblée. Plus rien? Ah oui. Non, j'ai trouvé une certaine sérénité, un équilibre, quelqu'un qui me protège, et ça j'en avais bien besoin. Et je crois que chaque femme a un rêve aussi de trouver un double, un complice aussi, parce que ça passe aussi par là, l'amour. Une camaraderie, une entente sur tous les plans, une entente intellectuelle, une façon d'être. L'amour, ça peut se déguiser justement en tendresse, en camaraderie, ou ça peut être tout ça à la fois? Il faut qu'il y ait tout pour que l'amour soit fou comme ça. Oui. Il faut qu'il y ait toutes les composantes. Je ne pense pas qu'un amour puisse être complet s'il y a quelque chose qui manque. Oui. Il faut trouver. Hein. Pas évident. C'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de chance, je crois. Vous l'avez, on ne parlera plus d'amour. C'est terminé. Ah. Si, dans d'autres domaines.